Kaye ki gade sa yo ka fe. Nou pa ni yon ki se yon patat. Je peux tout vous rendre la nuit. Parce que nous, on est dans une situation et que nous allons considérer que c'est une nécessité de nous de conscientiser, de mobiliser de nous pour qu'il y ait fait une action et qu'il faut des hommes en pays nous. Et nous allons travailler ça tout le monde parce que nous allons considérer que l'armée française n'a pas sa place dans notre pays Martinique. L'armée française n'a pas sa place dans notre pays Martinique. Vous venez, vous êtes chez nous, mais vous croyez pouvoir nous intimider. Vous n'avez pas la place. Que vous soyez jetés dehors d'Afrique, que vous soyez jetés dehors de tous les pays que vous colonisez, que vous soyez jetés dehors de tous les pays où s'exprime votre néocolonialisme. La vérité est qu'il appartient aujourd'hui au peuple du monde de s'organiser, de se révolter et de jeter dehors tous les oppresseurs, tous les exploiteurs, notamment ceux qui ici, en tant que militaires français, vont devoir venir à chaque fois nous impressionner. Vous ne vous impressionnez pas, vous pouvez aller notre temps. Nous avons eu à faire. Nous venons apporter notre soutien. Nous avons eu un peu vaillant. Nous avons Martinique est digne. Nous avons Martinique est combattant. Nous les profiter parce que nous là. Pour dire les camarades qui ont mis dans la zone là. Nous cassons tout vent, les Martiniquais qui habitaient le moment et qui apportaient les vœux caroulés, habitant le moment et qui l'armée française est capturée en voyage militaire, en voyage bouc, parce qu'elle nous a dit devant le tribunal qu'il faut respecter les militants. C'est comme ça que des jeunes Martiniquais décidaient qu'ils étaient allés de Gaoulé, en disant la nuit, et dit que ces messieurs, c'est les mettaient toute la ville, votre force en état de siège. Ils ont été des hommes de ils ont été des jeunes. Et la loi française, c'est un scélérat que vous avez appliqué en manière va pas voir du pays de Martinique. Et c'est pour ça que les jeunes Martiniquais, 20 ans, 22 ans, 30 ans, trouvaient qu'on y a condamné à vivre dans la jolle, jusqu'au passé des gamachins à la lumière, à 2h du matin, à 3h du matin. Pour ces noms-là, comme je suis Xavier Cadillo, je fais des aïeux Martiniquais parce que je prends place et je joue en zot. Allez, il dit que faut que les Martiniquais te prennent, faut que les Martiniquais te prennent position. C'est des camps qui dit, il va dire des camps et puis en ligne en vitale. C'est des camps qui dit, pas Martinique contre les oppresseurs. Et les Martiniquais n'y accèdent que nous les voyons militants, nous les moments qui semblaient à la ronde, comité 13 janvier 2020. Nous, les moments qui semblaient être dans d'autres organisations et qui ont pris place en tant que combattants, nous savons, jusqu'au roi qui nous a allé. Et nous savons que rien ne peut pas freiner nous parce que détermination nous sans faille. Détermination nous a fait que qui s'y soit, ça y peut dire, qui s'y soit, ça y peut faire. Nous savons qu'il faut que nous marchions en direction les mondes qui ont opprimé de nous. Faut qu'on marche en les gendarmes, faut qu'on marche en les préfets, faut qu'on marche en les Martiniquais qui prétendent qu'ils sont élus pour représenter nous et puis qui tiennent les fermés, les gens qui ont opprimé cette matinique là. Faut qu'on aille pour nous dire qui ça c'est qu'on représente. Est-ce que c'est qu'on représente voir l'État français qui a fini traduit dans nous ici, ou bien est-ce que c'est qu'on représente un peuple Martiniquais qui levait, qui dit, parti vaillant du Dalila, qui a dit que. Faut pas nous quitter ces messieurs, prisonner le peuple noir. Prisonnez-nous à 92% des autres fermés. Prisonnez-nous parce qu'il y a obligé de nous faire des bagailles. Et nous faire considérer que nous avons droit à choisir ça, nous l'espérons pour nous. Et je ne pas dire à rien. Loin de essayer de rapporter les prises en position vaillantes à peuple d'abord. Je parle des consommateurs de situation, de servir l'État colonial et de venir expliquer nous de faire des bêtises.
nous responsables, nous voyants, nous dignes, et donc là nous pouvons prendre les positions, nous pouvons assumer les positions, nous pouvons qui parle d'eau, qui sont habitués. Je dis à j'ai décidé que je ne peux prendre 4 collaborateurs et que je ne peux pas faire mieux. Je mets comme un homme, mais je sens que chaque côté, en milieu de travail, tout le monde, ils savent que si le seul monde à côté, on peut parler et puis, lui faire choisir, bon corps, choisir quand il se lève, faire ma vie là. Et c'est pour ça que je vais prendre le bonheur. Alors, bien sûr, les personnes de l'État, parce qu'il y a une vraie stabilité qui est de la zone. Et qui savent que Yannick Ferrer a coûté parole les militants. Yannick Ferrer a rendu les militants vaillants et encore plus vaillants parce que salut peuple noir engagé en disant détermination que nous nie et que salut peuple noir, c'est à travers les affinités qui disent, à travers les affinités qui combattent, à travers parti noir, à travers voyage moment là qui a dit faut que nous arrêtions marcher à genoux. Faut que nous arrêtions marcher en les boudin qu'on ne sait pas, qu'on sait faire mon café. Mais faut que nous levions du bout et puis marcher en direction résistance, en l'estimer pour que nous puissions faire tout ce qu'il y a à faire pour nous libérer le pays de Martinique d'un jour colonial là. Et c'est ça. C'est tout le monde nous qui tiennent la réalité et à y être avec nous molli. Parce que nous pas là pour nous libérer personne. Nous là pour nous tenir avec nous et nous là pour vous voir encore plus d'ouvrir. Allez, je peux comprendre que je peux frapper nous et que nous pouvons tenir notre joie. Nous avons dit c'est coup pour coup. Frappez-nous, nous parlons. Pour les nous pouvons parler. Marchons-nous, nous pouvons marcher les autres. Mais c'est coup pour coup. Chaque jour, chaque subi. Et je veux savoir. Nous pas là en disant des bagailles de faire personne. Faire nous paix. De taper nos autres. Et Lulu, Valtor, Dalsim, tous les moments qui ont dit dans la jolte, nous saluons les autres parce que nous savons, si une société a été en dans l'esprit qui a fonctionné, et bien sûr qu'il a dit dans qu'il dit nous, en voyage moment, qui fait des bêtises parce qu'il a trouvé dans la jolte. En voyage moment, qui peut-être a des moments considéré que il te dit la possibilité de faire des bagages que vous n'avez pas fait. Aïe, tout en nous vivre, nous avons capacité de vivre pour la réunion. Et c'est pour ça que nous avons dit, les moments qui ont dit dans la journée, je dis, que, à l'image de Lulu, Volcan, Dalsim, Edwin, oui, nous avons capacité de vivre pour la réunion, à la réunion vaillant. Et nous, là, épisode, pour nous et des autres, venir en dîner chez Métard. Merci à vous. Ok, donc nous devons la prison, Raz a expliqué en l'eau bagage. Bonsoir. Lulu, Volcan, Dalsim, Edwin, et tout ça qui a dit d'un aussi, qui a subi les intimidations, les répressions du système colonial à Kenouadan. Mais pas seulement ici à Martinique. Nous avons associé comme nous et puis toutes les frères Guadeloupe, toutes les frères La Réunion, toutes les frères Guyane et toutes les frères même en les territoires Yoa même qui défendent la cause de l'humanité. Alors nous rendons grâce avant tout aux ancêtres qui permettre nous d'être ici à présent, malgré la répression et malgré l'intimidation des forces coloniales françaises. Alors moi, je m'en ai posé une question. À qui sera ton poids pour parler et mes césaires en français Bayo? À qui sera ton poids entre tous les hommes? Je dis bien tous. Sans privilège, sans particulière exonération, on connaît la déportation, la traite, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous ils ont reçu, plaqué sur le corps, au visage, le mignon crachat. Nous seuls, les nègres, vous m'entendez? Nous seuls. Alors c'est pour ça que nous allons considérer que présence nous ici est illégitime. Et personne ne peut rester nous et puis intimidation, empêcher nous vivre une solidarité et puis ses frères à Pierre-Lidan. Alors, il y a un bagage que nous avons venu, ça a fait plusieurs fois que nous avons venu ici. Nous avons fait des checkpoints et nous avons pensé en fait que ça a intimidé nous, que ça a empêché nous, frapper courage là, force là, que nous nions. Parce que si nous là, c'est parce que nous déterminés. Si nous là, c'est parce que nous savons que l'humanité n'est pas négociable. Alors, nous avons dit,
Ouais, il n'y a des meilleurs. Il n'y a ça en fait qui a insisté les autres à faire. Et il faut en apprendre à les frères pour comprendre en fait que vous avez cassé le mouvement. Mais vous ne comprenez pas, parce que nous toutes là qui là, même si nous ne sommes pas nombreux, ce n'est pas le nombre qui a fait la force, mais c'est la détermination en disant action que nous menons. Et nous-mêmes, nous savons que nous déterminons. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon frère, qui a dit tantôt, nous-mêmes, nous là, et système colonial français, là, nous ne pouvons pas parler de lui ici à Martinique, mais système français, là, même dans l'Europe, que nous avons regardé, que nous associé puis les big pharma, que nous associé puis tous les lobbies industriels, que nous associé puis toutes les grandes familles oligarchiques et plutocraties dans le monde. C'est pour faire qui ça? C'est pour nous imposer nous un nouvel ordre mondial. Et c'est pour ça que nous avons défendre que nous. Et c'est pour ça que ces frères même, nous avons défendre cause de l'humanité, que nous fermons. Il ne faut pas que nous trompions que nous de cible. Nous avons dit que ces frères qui ont dit dans, ils sont violents, que vous avez utilisé la force, que vous avez fait ci, que vous avez fait ça. Mais la réalité, là, c'est que nous avons défendre l'humanité, nous. Et l'humanité, nous, pas négociable, messieurs. Donc, c'est pour ces raisons-là que vous fermez ces frères. Vous trouvez différents prétextes, mais tout ça, c'est des prétextes, yo. Mais nous savons réellement raison pour qui que vous fermez ces frères. Et yo, là, vous avez essayé d'intimider nous pour penser que, comme ces frères que vous criez les leaders là, vous dit non, eh bien, nous-mêmes, nous avons mis le courage pour nous défendre l'humanité, nous. Non, monsieur, je ne peux pas tromper ce genre. Parce que les ancêtres qui sont morts, qui parmi nous, qui habitent nous et qui autour de nous, là, qui ont nos forces et du courage. Et c'est pour ça que nous remercions encore les ancêtres de nous, l'esprit de paix, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence spirituelle, l'esprit de confiance, l'esprit de justice, l'esprit de vérité, l'esprit de tempérance, l'esprit de courage et de détermination. Parce que le combat, nous, quand même, ce n'est pas un combat de chair et de sang et d'os, mais c'est un combat spirituel. Alors, c'est frère qui a dit dans qu'ils ont compris ça. C'est pour ça, en fait, que comprennent, qu'ils ont compris ça. Qu'ils ont accédé à d'autres plans d'action. OK? Conscientiser déjà pour que nous-mêmes nous fassions la force, pour que nous fassions le nom. Et quand nous avons fait des démarches pour nous conscientiser, ça va gêner le système-là qui est en face là. Parce qu'il vient intelligent, elle est là, c'est en infraction, Bayo. Parce que nous avons remetté en cause. Système social, yoa. Nous avons mis en cause le projet de nouvel ordre mondial, yoa. Et c'est ça qui a gêné, yo. Je te pense que puis la religion, et puis pédagogie, l'école, yoa. Et puis nourriture qui est contaminée déjà. Et puis tous les mainstream médias, et puis toute publicité, yo. Je te pense en fait que je te ramollir nous, que je te affaiblir nous. Au contraire, non. Tu as arrivé pour que nous manifestions toute spiritualité nous. Tu as arrivé pour que nous-mêmes, nous n'y en notre notion de qui ça qui est la vie ancestrale nous. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons rejeté tout ça que le système colon a imposé nous, pour que nous-mêmes nous connections et puis les ancêtres nous. C'est pour ça que nous-mêmes, que nous avons parlé de spiritualité, nous avons parlé de la divinité qui a dit dans nous et qu'il faudrait nous faire. Oui, il faut nous manifester, il faut nous extérioriser. Et c'est ça que c'est nécessaire. Et tout ça, quand je fais, parce que je crois que je compte de plus en plus de frères et de sœurs conscientisés et qui amènent un combat qui est pour talent, un combat qui doit culturel, qui doit spirituel. Et c'est ça qui t'a gêné. C'est ça, en fait, qui t'a fait trembler, parce que je savent que chaque maillot que nous avons pété de chaîne, que nous mettons en cou noir, en pied noir, chaque maillot qui a cédé, c'est un privilège taillot qui a tombé. Et c'est pour ça que c'est monsieur fait. Parmi d'autres raisons, parce que nous-mêmes, nous savons que tous les éléments factuels que nous avons présentés, nous qui avons dit que nous comptons histoire de passe sanitaire, nous qui avons dit que nous comptons histoire de vaccination, injection obligatoire, nous avons des éléments suffisamment potents pour nous faire face à ces messieurs. Et nous avons revenir encore une fois pour dire que même loi Yoa que vous créez, je vais rappeler que loi Yoa a dit que si un gouvernement bafoue les droits du peuple, l'insurrection reste pour le peuple le droit le plus sacré et le devoir le plus indispensable. Ce qui veut dire que l'air là, ça nous a fait là, est totalement légal et légitime. Donc, il faudrait nous comprendre ça. Nous n'avons pas ni à peine présenté ce monsieur parce que c'est comme ça qu'il a fonctionné. Nous n'avons pas ni argument. Quand on regarde les arguments qu'il a présenté nous pour dire pour qui ça nous compte, injection, ça va tirer de la route. Nous avons rappelé simplement que 90-95% de la population contaminée par le chlordécone. Que nous, le fait nous brûler de l'eau empoisonnée alors que le tissage. OK? Ce n'est pas pour dire que le tissage. Le tissage est sciemment
Yo fait nous bref, yo contaminé et yo fait nous polluer comme nous et puis l'école. Et c'est ce même monde là qui conseillé par des études qui m'a financé, par des études BlackRock, par toutes ces grandes sociétés là qui t'a conseillé. C'est ce même monde là qui a venu qui nous qui a fait de nous prendre une injection. Et ne pas dire non à l'injection, ne pas dire non à au passage de la loi, parce que nous savons que c'est tué, que je l'ai tué en partie l'humanité et mettez l'autre partie à sous contrôle numérique. Et nous avons suffisamment preuve, les dernières preuves qui sont tombées, qui ont montré nous, pour qu'ils sachent ces métiers qui ont au sein de la terre. C'est parce qu'en fait, avant chaque injection, il n'y a des nanoparticules, il n'y a des puces RFID, il n'y a en fait, ça veut appuyer des tirs. Des tialiennes, c'est-à-dire des molécules en fait qui passent synthétiques justement, et qui conscient, qui vivant. Et ces messieurs en fait, le lac a créé en disant les organismes des tirogos. Donc c'est ça ce monsieur là qu'a fait, et puis c'est un geste loi. Et là, chaque rappel que vous avez fait, l'injection dans là, qui a détruit l'immunité nous, qui a détruit l'anticorps nous, et chaque injection, c'est 6 mois qui a duré. Donc en fait, actuellement là, toutes ces mounes qui injectent là, c'est des injections à vie que y'a ni. Une fois que y'a arrêté, c'est fini, y'a dead. Donc là, c'est des mounes, toutes ces mounes qui injectent là, c'est des mounes qui poussent. Faudrait comprendre ça malheureusement pour eux. Ils ne sont pas là pour nous faire en ségrégation entre ça qui est vacciné, ça qui est injecté et ça qui n'est pas injecté. Mais la réalité là, c'est que malheureusement, ils ont pris un grand piège et que ça presse irrémédiable. Maintenant, ça qui faut qu'on injecte, il faut nous conscients de toutes ces bagages-là pour que nous venions de la force du nombre pour nous combattre ce métier. Parce que ce métier n'est pas une pièce argument, ni sanitaire, ni humanitaire pour que nous défendions ça, nous café. Nous avons toutes les petites formes, l'argent que ce métier a fait. Donc est-ce que c'est vraiment humanité, nous égale l'argent? Non. Il faut nous comprendre la bagage, monsieur. Qu'il n'y a pas maladie, une trop pathologie dans le monde, et que ces messieurs pas fait en patate contre ça, et dans l'espace de 6 mois, ils ont créé une injection et qu'ils ont imposé une injection à la. Monsieur Bill Gates, monsieur Jean Soros, monsieur Larry Link, monsieur World Economic Forum, Claude Schwab, toutes ces mounes-là, c'est eux qui ont contrôlé les États actuellement. Donc l'État français, il n'est pas légitime. Ok, l'État français est illégitime parce qu'en fait, il est contrôlé par les big pharma actuellement. Il est contrôlé par l'oligarchie mondiale actuellement. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas mêler. Et puis, ça qui les représentants de ce système là, parce que nous ne pouvons pas reconnaître légitimement. Ok, donc ça clair et ça net. Ça que nous n'y a fait, nous qu'a fait. Parce que nous savons que nous légitimes et que c'est droit à nous. Toutes ces mounas qui ont dit dans chacun a une raison peut-être pour qu'il y a. Mais les 4 frères que nous avons parlé, nous-mêmes qui l'avons parlé, nous tous qui l'avons parlé, nous devons être là. C'est parce que je choisis ces 4 frères-là et je fais un guet-apens contre eux, que je suis dedans. Et tant que nous sommes dedans, tant que nous sommes venus à les parkings là, pour nous montrer la solidarité, nous, et pour nous montrer le système en face là, que nous ne pouvons pas aller là, rien, parce que nous-mêmes, nous déterminons. Alors, maman, là, nous parlons qu'il y a des frères qui, et des sœurs qui assurent en ville, qui ont fait le même travail que nous avons fait ici. Et nous avons des frères qui mobilisaient, hier, nous avons différents défilés. Donc, nous parlons que de plus en plus de monde conscient que tout ça que nous avons imposé, nous, les lois libertistiques, les lois coercitives, les lois qui sont politiques, mais qui n'ont rien de sanitaire. Nous parlons que de plus en plus de monde qui a éveillé pour nous, et ça, c'est un bel bagage. Parce que non seulement une conscientisation est là, mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Nous, c'est énergie. Nous, c'est des mounes tout. C'est-à-dire que nous parlons des êtres de chair et de sang seulement. Ça serait ces messieurs les points. Mais nous, c'est des êtres énergétiques. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas maman la terre en dedans nous. Nous n'avons pas l'eau en dedans nous. Nous n'avons pas le soleil en dedans nous. Nous besoin de tous ces éléments-là pour renforcer l'immunité de nous. Nous besoin de tous ces éléments-là pour élever conscience nous. Eh bien, nous n'y les plantes, nous n'y les herbes, nous n'y toute pharmacopée nous, que nous n'y pouvons utiliser pour que nous toujours plus forts face à toutes ces virus, ces messieurs-là, que ce soit des virus visibles ou invisibles. Donc, nous avons toutes ces messieurs-là, les Bill Gates, les autres, ces messieurs-là, lâchés
en usine qui a fabriqué les tests PCR et nous parlons que des tests PCR qui, à la base, naissent déjà contaminés. Donc nous parlons tout plein ces messieurs, nous parlons tout objectif ces messieurs. Ce monsieur est en fait détruit en partie l'humanité et mettait l'autre partie à ce contrôle numérique, tu vois. Et puis la 5G, et puis la reconnaissance faciale, et puis les algorithmes, et puis l'intelligence artificielle. Nous-mêmes, nous conscients de ça. Je ne peux pas venir bluffer nous encore et tout ça. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous-mêmes, nous légitimes. Nous légitimes et nous allons toujours défendre l'humanité, nous, qui n'est pas négociable. Big up. Alors, en fait, c'est un peu de la vie. Et alors, juste pour les messieurs là qui sont en face de nous, ça fait plusieurs fois qu'on vient ici et on nous contrôle. Le problème, c'est que quand on discute avec vous, apparemment, vous êtes ignorants de ce qui se passe. Donc, il serait bien que vous vous rapprochiez de nous, afin que nous vous apportions les informations nécessaires à vos conscientisations. Parce que vous avez besoin d'être conscientisés également. Oui, racontons-nous, il faut un barrage. Vous êtes normalement les garants d'une constitution. Et là, vous ne respectez même pas votre propre constitution. Les lois de votre constitution, vous ne les respectez pas. Donc, il serait bon pour vous de vous rapprocher et qu'on puisse vous donner les informations nécessaires à votre conscientisation. Merci. Écoutez, là-bas, il va rouler tout le monde, tout ça qui est rentré. Lèvez-nous, vous venez vous nous là-bas. Ok, je vais faire un petit tabou. Ok. Donc, tu veux faire un petit tabou. Ok. Qui soit sa famille.